que on fasse un très très bon match demain, parce que ça sera les derniers 3 points de cette année et que ça soit très très important pour pouvoir s'y bien placer dans le classement avant la trêve. Ce que j'attends, c'est d'être dans la même lancée que nos deux derniers matchs au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'implication. On a la chance de finir l'année en jouant à domicile et il faut bien finir cette année sur une bonne note. Le message a été clair aux joueurs toute la semaine. C'est de ne pas regarder le classement, c'est de se concentrer sur ce qu'on est en train de mettre en place. Ça ne sera pas un match facile. Il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on mette du rythme, il faut qu'on soit agressif, il faut qu'on fasse un grand match demain. Et les matchs les plus difficiles sont ceux-là où tu trouves un adversaire que il vient avec une série négative, mais à un moment donné, eux, ils vont la stopper. Je pense, et donc il va falloir aborder ces matchs-là avec beaucoup de concentration, respecter l'adversaire, savoir que de l'autre côté aussi, il y a de très très bons joueurs, un très bon coach avec beaucoup d'expérience. Et si nous, on commence à penser que le match, ça va être facile. Je suis sûr qu'à la fin, on ne va pas y arriver à prendre les 3 points. Ils ne seront pas là en touriste ou ils ne seront pas là en vacances. Et connaissant leur entraîneur aussi, ils seront là pour gagner, pour nous poser des problèmes. Et nous, on n'a pas le droit de se dire que ça sera un match facile parce que ça serait la plus grosse erreur qu'on pourrait faire. Match à domicile contre Angers, ça a été plutôt très bien dans ce domaine et on l'a perdu un peu à Brest. Ça montre encore c'est des choses qui sont très importantes mais qui sont très très fragiles. C'est des choses qu'on perd très rapidement. Ce qu'il faut, c'est continuer à travailler là-dessus et continuer à insister sur le collectif et c'est pour ça que c'est important pour les joueurs de bien comprendre que pour jouer et faire montrer leur qualité, ils sont obligés de passer par ce collectif. Et ils prendront beaucoup plus de plaisir aussi.